99 centièmes plus rapide. Et 37,70. Et 37,70. Et 37,70. Il est doublement sans faute, 37,59, le vainqueur. C'est monsieur Julien Gaudin. Bah, cette victoire, depuis le début du week-end, j'ai un peu la choumoun. C'est-à-dire que je concrétise pas. Hier, je devais gagner avec Viper, hein, une petite faute. Ce matin, la même chose. Je les ai préparés à leur caprice, ils devaient faire deux jours. À la dernière minute, je l'ai remis hier parce que je le sentais un petit peu pas trop en route. Comme il n'a pas trop fait avec la chaleur et tout, il avait bien fait à la boule, je l'avais laissé un peu tranquille. Et puis aujourd'hui, il était super au paddock. Il est sans faute. Valou, elle fait un petit 4 points, mais de ma faute, elle était très bien aussi. Les deux chevaux étaient bien. Et puis bah, j'étais le dernier à partir au barrage. Marie est partie en premier. Là, j'ai vu le parcours, waouh, vite. Puis son chat n'a pas une grande foulée, donc elle a gagné du temps en plus. Et là, j'ai dit waouh, tout le monde m'a dit bon, bah t'as vu. J'ai dit ouais, ouais. Et puis j'ai essayé de faire au mieux, puis bah, ça suffit. À la reconnaissance, j'ai dit ouais, c'est bon, on va refaire comme on a fait la dernière fois à Cantleux. Il va avoir encore 20 sans faute, et pas du tout. D'ailleurs, j'ai dit à Edouard Coupry, là, avant que l'épreuve commence, je lui dis, ça va être comme à Cantleux ou c'est qu'il va avoir de la faute partout et je ne les vois pas? Et en fait, c'était vraiment ça, c'est qu'il y a eu de la faute de partout et à la fin, on n'est que 300 fautes. Certes, par rapport à Cantleux, on va dire que le plateau de chevaux était un peu moins qualiteux, un peu plus vert, comme on va dire, un peu moins expérimenté. Parce qu'à Cantleux, il y avait quand même des chevaux d'âge qui étaient là pour se remettre en route, comme Cantard des Étis pour rester en route avant la boule et tout ça. Donc c'était pas le même format de chevaux, on va dire. Mais bon, quand même, il y a eu 70 partants, il n'y a que 300 fautes. C'est quand même que le parcours était sinueux. Voilà, mais pas difficile. Enfin, pas haut. Alors, j'aime bien parce que c'est un peu dans l'esprit de Grégory Baudot. C'est pas... enfin, même Monsieur Longis, hein, je veux pas faire de jaloux. Hein, mais comme là... Il n'y a pas besoin de mettre énorme, casser les chevaux, il fait de la faute partout et c'est vraiment bien construit. Et du début à la fin, il n'y a pas eu un parcours de loupé. Hier après-midi, j'avais mes 3-7 ans au barrage du Grand Prix des 7 ans. Et quand je suis rentré en piste avec le dernier, je ressentais cette ambiance, cette âme qu'avait ce concours à l'époque sur cette piste avec Star de Cercle où toute la foule est ici. En plus, avec les conditions avec le Covid, on n'avait plus trop l'habitude d'avoir du public. Et c'est vrai que par rapport à l'autre côté qui est une bonne piste, mais où on n'a pas cette âme, cette convivialité qu'avait cette piste qui est propre à elle-même et que là on retrouve vraiment. C'est vraiment formidable, je suis très content. La suite du programme pour moi, je vais faire un national à Lyon avec d'autres chevaux la semaine prochaine et après ces chevaux vont faire Chantilly, Dinard. Voilà, les deux 5 étoiles. Et Olivier Robert va sauter lui à Notre-Dame-d'Estrée, le grand national.